Bonjour et bienvenue sur la chaîne Winroy Tech, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment sortir de la réparation, de la préparation réparation automatique en boucle. C'est-à-dire, quand vous sortez, vous faites quitter et passer à Windows 10, eh bien, on vous ramène à cette page-là en continu. Donc, on va résoudre ensemble les problèmes de redémarrage en boucle, de la préparation, réparation automatique, les options avancées. Donc c'est parti. Alors, quand on est ici, on va sur dépannage. Dépannage, on fait options avancées. Options avancées. Vous pouvez à tout moment désinstaller des mises à jour. C'est souvent la cause des problèmes de redémarrage de Windows. Eh bien, on clique sur désinstaller les mises à jour. Ici, vous avez la possibilité de désinstaller les mises à jour qualité et désinstaller les dernières mises à jour des fonctionnalités. Et donc, il faut à ce moment-là faire les deux, c'est-à-dire désinstaller ici. Donc, vous cliquez dessus. Donc ici, on vous demande de choisir un compte. Donc je choisis mon compte. Et ici, j'entre mon mot de passe administrateur. Voilà, donc là, maintenant, je peux ouvrir les options pour désinstaller les dernières mises à jour de qualité. Ici, après être sur cette page, vous activez désinstaller les mises à jour de qualité et vous attendez justement la suppression de cette dernière mise à jour et ensuite vous revenez et vous faites la deuxième. Après avoir redémarré votre appareil, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas résolu le problème. On va encore dans dépannage, option avancée. Vous pouvez tenter la restauration du système. On fait suivant. Ici, on vous propose une mise à jour. On fait suivant. Voilà. Et ici, vous faites terminer et suivant. Et vous laissez faire justement la restauration qui peut résoudre aussi le problème du démarrage en boucle de Windows. Ensuite, une fois que vous avez redémarré, ça n'a pas fonctionné, on va encore dans dépannage, option avancée, et on va sur invite de commande. Arrivé dans l'invite de commande, on va aller vérifier si vous avez les types de partitions MBR ou GPT, car il est important de savoir si vous êtes en MBR ou en GPT. Les lignes de commande qu'on va installer, c'est pour réparer le MBR. Donc, il faut absolument savoir, et pour savoir, il faut écrire disque part, comme ceci, et on fait entrée. Ensuite, on écrit liste disque, liste, espace, DISK, et on fait entrée. Ici, j'ai tous mes disques, mon disque 0 et mon disque principal où Windows est installé. Le 1, c'est mon disque complémentaire, et ici, il y a marqué GPT. Donc on pourrait croire qu'ils sont en GPT. Eh bien non, ils sont pas en GPT tout simplement parce que ici, il n'y a pas d'astérisque. Les astérisques, c'est ceci. Voilà. S'il y a des astérisques face à vos disques, eh bien là, il est en GPT. Par contre, comme moi, vous voyez à l'écran, c'est qu'il n'y a pas d'astérisque. Et donc, il n'est pas en GPT, il est en MBR. Voilà comment on repère les partitions MBR ou GPT. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie vérification. Maintenant, vous sortez de disque part. Vous sortez de disque part en faisant exit. On fait CLS. Voilà, comme ça. Donc maintenant que vous savez que vous avez des partitions MBR, on va inscrire la première ligne de commande qui est celle-ci. Bootrec espace slash fix MBR. On fait entrée.
Ensuite, on inscrit une deuxième ligne de commande. Bootrec, espace, slash. On vous dit accès refusé. On vous dit accès refusé. Donc, pour accéder à avoir l'opération réussie, comme ici, eh bien, on va inscrire une ligne de commande. Donc, la prochaine ligne de commande, c'est celle-ci. Boot sect slash NT60, donc là il n'y a pas d'espace, là il y a un espace, espace SYS, et on fait entrer. Et ensuite, là où ça a été refusé, on fait un copier-coller, qu'on colle ici pour avoir l'accès autorisé, et on fait entrer. L'opération a réussi, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, on va y inscrire une autre ligne de commande. Et on inscrit cette dernière ligne de commande. On inscrit cette ligne de commande. Recherche d'installation Windows sur tous les disques. Donc là, il recherche les installations antérieures de Windows. Donc là, il me dit l'opération a réussi, mais aucun nombre d'installations Windows identifié. Dans ces cas-là, vous redémarrez votre PC, voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, vous revenez dans l'invite de commande via les options avancées, comme je vous l'ai montré au début de la vidéo, et ensuite on va y inscrire d'autres lignes de commande pour réparer justement le MBR. Après avoir redémarré, après les lignes de commande que je vous ai montrées juste avant, si le problème n'est pas résolu, comme je vous ai dit, vous revenez sur l'invite de commande via les options avancées et on va y inscrire des lignes de commande pour réparer les fichiers MBR. Donc, on inscrit cette ligne de commande BCD edit espace slash export espace C 2. Slash MRC BCD backup. Et on fait entrer. On vous dit l'opération a réussi. On va y inscrire une deuxième ligne de commande. Maintenant, on inscrit cette ligne de commande. Attrib, espace, C, 2 slash inversé, boot, 2 slash inversé, BCD, espace, tiré, du 6, R, espace, tiré, du 6, S, espace, tiré, du 6, H. Et on fait entrer. Ensuite, on va y inscrire une autre ligne de commande. Ensuite, on écrit cette ligne de commande. REN, REN, espace C, 2. Slash, slash, boot, 2 slash, BCD, espace BCD, point hold. BCD, espace BCD, point hold. Et on fait entrer. Donc là, il me dit le nom du fichier existe déjà ou le fichier est introuvable. Il se peut que vous ayez le même message et donc on va continuer. Mais il se peut aussi qu'il ait trouvé des fichiers et vous demande de les valider en faisant avec le T, vous mettez tout. Voilà, donc moi j'ai pas le message là, mais on va continuer. Et on va inscrire cette ligne de commande. Bootrec espace slash rebuild BCD et on fait entrer. Donc là il me dit l'opération a réussi, donc je redémarre mon ordinateur. Je coupe ici et je reviens dans les options avancées. Vous redémarrez votre ordinateur, voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, on retourne dans dépannage, options avancées, on va aller dans paramètres, paramètres ici, on fait ici redémarrer. On redémarre, donc le PC redémarre en mode sans échec. Donc ici sur cette page, on va activer le mode sans échec avec prise en charge réseau. On fait F5 ou le numéro 5.
Alors nous voilà en mode sans échec. Ici, comme vous pouvez le voir en bas, il y a marqué mode sans échec avec bien sûr le fond d'écran tout noir. Donc à partir de là, vous pouvez à tout moment faire à peu près les manipulations que je vous ai montrées dans les options avancées. L'avantage du mode sans échec, c'est qu'on vous demande simplement le mot de passe pour entrer, du moins pour démarrer Windows, pour démarrer votre PC. Voilà. Donc là, on ne vous demande pas le mot de passe administrateur, mais du moins le mot de passe pour ouvrir votre PC. Donc à partir de là, vous pouvez faire des manipulations comme la première des choses quand un problème de démarrage arrive, eh bien souvent ça vient des mises à jour. Et les mises à jour qui s'installent font dysfonctionner justement le redémarrage de Windows en mode normal. Alors ça peut être l'écran bleu, ça peut être les redémarrages de préparation, réparation automatique, les options avancées, ou bien le mode sans échec en boucle, comme j'ai pu faire des vidéos pour justement en sortir. Voilà. Alors ici, dans la barre, on écrit panneau. Voilà, donc vous avez ici panneau de configuration. Ici, on clique dessus. Le panneau de configuration s'ouvre. Donc ici, vous avez les grandes icônes. On va aller sur catégorie. Ici, on va sur désinstaller un programme. Et ensuite, on va sur afficher les mises à jour installées. Voilà. Donc ici, on vous met toutes les mises à jour qui ont été dernièrement installées. Et dans ces cas-là, vous choisissez une dernière mise à jour qui est proche du problème que vous rencontrez. Vous cliquez sur la mise à jour en question que vous voulez désinstaller. Donc là, vous avez les dates. Il suffit, voilà, de le mettre en surbrillance et de faire désinstaller. Donc vous désinstallez, on vous dit oui. Et donc là, vous désinstallez l'application. Vous désinstallez la dernière mise à jour. Voilà. Et en faisant comme ceci, eh bien, vous pourrez justement résoudre le problème du démarrage en boucle, de la réparation automatique. Donc moi j'annule, vous continuez et vous pouvez faire à peu près, si vous avez deux trois mises à jour du même mois qui se suivent, eh bien vous pouvez aussi les désinstaller. Vous voyez le 22, donc celle du 16, je peux l'enlever aussi, je fais désinstaller, voilà, je fais oui. Et ainsi de suite. Voilà, donc vous continuez. Et ensuite, une fois que vous avez désinstallé les mises à jour, les 2-3 mises à jour les plus récentes, eh bien, vous redémarrez votre ordinateur, voir si le problème est résolu. Après avoir redémarré votre ordinateur, le problème est toujours là. Eh bien, on va faire une autre manipulation. Windows, la touche Windows plus R. Et on écrit MS config. Et on fait entrée. Vous avez cette page qui s'ouvre et on va aller dans démarrer. Alors ici, il faut que le démarrage soit sélectif, vous le laissez comme ça. Et on va aller dans démarrer et ici, il faut surtout être certain que cette case n'est pas activée. Si elle est activée, vous la désactivez car ça c'est le démarrage sécurisé qui justement permet de redémarrer en boucle sur le mode sans échec ou la réparation automatique. Donc dans ces cas-là, vous le décochez, vous faites appliquer et vous faites OK. Donc après, l'ordinateur vous dit de redémarrer, vous redémarrez votre ordinateur et voir si le problème est résolu. Donc si après ça, le problème est toujours là, eh bien on va faire encore une autre manipulation. On va taper sur Windows plus X. Dans le gestionnaire de périphériques, on va sur carte graphique. On fait dérouler, on fait un clic droit sur la carte en question, on fait propriété. Ici, vous avez pilote. On fait mettre à jour le pilote. Donc ici, vous faites une recherche de mise à jour. Si on vous dit que le meilleur pilote est installé, vous n'avez rien à faire. Par contre, si une mise à jour à ce moment-là s'effectue, vous redémarrez votre ordinateur, voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, vous revenez ici sur le pilote, comme je viens de vous montrer, et vous allez sur parcourir mon poste de travail. Ensuite, sur choisir parmi une liste de pilotes disponibles. Ici, on vous propose
deux ou trois, voire peut-être un peu plus de pilotes, c'est-à-dire c'est des pilotes antécédents et qui fonctionnaient mieux que les nouveaux pilotes qu'on vous a installés, et cela peut aussi faire dysfonctionner le démarrage en mode normal de Windows. Donc dans ces cas-là, vous en choisissez un, je choisis celle-ci et je fais suivant. Voilà, donc vous faites suivant et voir si le problème est résolu, vous redémarrez votre ordinateur. Et voilà. Si le problème est toujours là après redémarrage, on va écrire CMD. Dans la barre de recherche Windows, on va écrire CMD ici. Voilà. Vous faites un clic droit avec la souris et vous l'exécutez en tant qu'administrateur. Donc là, on inscrit cette ligne de commande. SFC espace slash scanno et on fait entrer. Une analyse va s'effectuer. On va la laisser jusqu'à 100%. Voir le résultat de l'analyse. Donc là, après vérification de l'analyse, eh bien, il me dit que le démarrage de la phase de vérification de l'analyse du système, la vérification est à 100% terminée. Et donc, le programme de protection des ressources Windows n'a trouvé aucune violation d'intégrité. Donc, si vous avez ce message, vous n'avez rien à faire. Par contre, s'il vous dit qu'il a trouvé des fichiers endommagés et qu'il les a réparés par la suite, vous faites un redémarrage de votre appareil pour voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, vous revenez dans l'invite de commande via le mode sans échec et on va y inscrire une autre ligne de commande. Et donc là, on inscrit cette ligne de commande. DISM espace slash online avec le O majuscule. Espace slash C majuscule cleanup tiré du 6 image, espace slash restore ilt. Et on fait entrée. Ici, il va y avoir aussi une analyse qui va s'effectuer. On va la laisser jusqu'à 100% pour voir le résultat. Donc, après l'analyse, on vous dit que l'opération a réussi, la restauration a été effectuée. Dans ce cas-là, vous redémarrez votre ordinateur, voir pour le problème, si le problème est résolu. Donc, si après le redémarrage, cela n'a pas fonctionné, vous pouvez aussi aller dans la restauration du système via l'invite de commande qu'on va y mettre en suivant. RS3. Voilà, comme ceci. Ici, ça va ouvrir la restauration du système. Si vous n'avez pas pu dans les lignes de commande en option avancée, vous n'auriez pas pu accéder à la restauration parce que vous n'avez pas votre mot de passe. Et bien, cette solution permet justement d'accéder sans mot de passe à la restauration du système. Et on fait entrer. Entrer, donc il y a cette fenêtre qui s'ouvre. Et dans cette fenêtre, on vous propose une solution pour installer une dernière sauvegarde que vous aviez ici. Donc, la vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Merci à tous mes abonnés. Passez de bonnes fêtes. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Au revoir.